On a un homme à terre ici. Vraiment pas loupé ce type, hein. Non, tu m'étonnes. Je vais vomir. Pourquoi t'es pas resté en retrait comme je te l'avais dit? T'es content que je l'ai pas fait, non? Je suis content de pas m'être fait exploser la tête par une foutue gamine. Tu sais quoi? Non.
Je m'attendais à... Hey, Ellie, je sais que c'était pas facile, mais c'était lui ou moi. Merci de m'avoir sauvé la vie. Tu crois que tu pourrais me dire ça, Joël? Il faut pas qu'on reste là. C'est toi le chef. On doit retourner dehors. Faut trouver ce pont. Dis-moi juste où aller. Oh, j'ai horreur de ça.
Wow, regarde ça. C'est une toile de fond. Avant, les gens se faisaient prendre en photo devant. Ouais, je sais ce que c'est. Bon, alors. Dis-moi ce qui va pas, Ellie. Je voulais pas te désobéir tout à l'heure. C'est juste que tu mettais vraiment beaucoup de temps, et je me suis dit... qu'il t'était peut-être arrivé un truc. Peu importe ce que tu croyais, il faut à tout prix que tu obéisses. Je sais, c'est juste que... Bon, laisse tomber. Peut-être se servir de ça. Merde, c'est plus lourd que ce que je croyais. T'es sûr que tu peux compter sur moi? Pousse! C'est ce que je fais! Pousse plus fort! Là, ça te va? On y va. Baisse-toi. Alors écoute, je vais aller en bas et je vais nous dégager la voie. Et moi alors? Tu restes ici. Mais c'est vraiment stupide. On aurait plus de chance si tu me laissais t'aider. C'est le cas. Bon, t'as l'air de savoir te servir d'une arme. Tu crois pouvoir utiliser ça? Ben... j'ai déjà un peu tiré au fusil. Mais sur des rats. Des rats? Avec des billes. Bon, c'est presque le même concept. Soulève-le. Écoute-moi, tu vas devoir t'appuyer contre la crosse, parce que le recul est bien plus puissant que sur un fusil à billes. Ok.
Fais reculer le levier. Soulève-le. Enclenche-le. Voilà. Dès que t'auras tiré, tu vas devoir recharger immédiatement. Écoute bien. Si tu vois que ça chauffe pour moi, tu ne gaspilles aucune de tes balles. Ok? J'ai compris. Parfait. Et pour revenir à l'histoire de tout à l'heure, c'était vraiment lui ou moi. Il n'y a pas de quoi. Cet abruti a vraiment merdé. Quitte à voler un truc, autant être sûr que tu peux t'en tirer, pas vrai? À sa place, j'aurais... Ils sont morts! Ils sont tous morts, putain! Qu'est-ce que tu racontes, bordel? Calme-toi! Qui est mort? Toute l'équipe. Les 76 vigies. Chope-le! Ah, petite crevure. Couvre-moi, j'avance. Bien joué, petite. Continue comme ça.
Couvre-moi, j'avance. Écoute, ok. Descends. J'étais comment? Qu'est-ce que tu dirais d'un truc un peu plus à ta taille? C'est juste pour les urgences. Ok. Là, la sécurité est mise. Tu sais comment faire pour la retirer? Oui. Bon, il faut que tu fasses attention. C'est pas un... Joël, je serai prudente. D'accord.
Vas-y, à toi de jouer, Ellie. Ça marche. Non, la foutue chaîne est bloquée. Attends. Ouais. Voilà. Ok. Bien joué, Ellie. Aide-moi à l'ouvrir. Voilà. C'est bon. Ok, voyons ce qu'on a. Ouais, ça a l'air bien. Merde, baisse-toi, vite. On dirait. C'est ça. Merde, pas de bouffe. De vieilles godasses. On se casse. Bon, au moins, ils ont tué ce couple. Merde, Joël. C'est sûr qu'ils avaient réussi à quitter la ville. Reste plus qu'à trouver les yeux du côté. Ouais, j'espère qu'il y avait une putain d'armée dans ce pick-up. Comment ils ont fait pour fumer toute l'équipe, là-bas? Poursuivons les recherches. Je veux que ce soit bouclé avant la tombée de la nuit.
les entendre, on dirait qu'ils ont peur de nous. Surtout, reste bien sur tes gardes. Tu dis ça comme ça, mais je suis contente que tu sois de mon côté. C'était un compliment. D'accord. Et Market Street alors? Ouais, rapide la zone en ce moment. Je les trouve en tête là-bas. J'espère. Hey, pareil. Alors? Non, rien. Et toi? Ça va ici! Fusil!
quelqu'un nous chasse. Cherche encore. RAF de mon côté, et toi? Pareil ici. Tu le vois ? Il est pas par ici ! Le voilà ! La librairie ! Couvre-moi ! Je l'ai eu ! À ta droite ! Montre-toi, sale fils de pute! Oh, bon sang. La survie à tout prix. Quoi? Ah. Le truc de la BD.
Merde. Alors c'est comme ça que ça s'est terminé dans cette zone. Dans chaque bataille, il faut un perdant. T'imagines, s'ils avaient de la famille ? Tout le monde a une famille. Mieux vaut ne pas y penser. Comment pas y penser ? Fais-moi monter. Et voilà. Là, viens, Ellie. Ok. Allez. Et voilà.
ça. On y est presque. J'ai vécu dans ce genre d'endroit, en zone de quarantaine de Boston. L'école préparatoire militaire. Ouais, c'est un orphelinat en gros. Je me demande ce qu'ont pu devenir tous ces enfants. Cet endroit est fermé depuis un bout de temps. Ce ne sont plus des enfants. Donc soit ce sont des chasseurs qui essaient de nous tuer, soit ils sont morts. Ou ils sont partis. Mais t'y crois pas. Je crois qu'il faut quitter cette ville. Allez. En voilà une autre. Ces affiches sont partout. Ouais, je l'ai vu, juste avant l'épidémie. C'est vrai ? Et est-ce qu'il lui fait la peau ? Personne ne meurt. C'est juste un film pour ados. Qui t'a emmené le voir, alors ? J'en sais rien. Allez, reste concentré. D'accord. Prenons la ruelle. Ça va, reste accroupi. Encore un. 10. Continuez. Je sais pas, vous. Non, mec, 25. Tu décolles. Je te jure. T'as 25 boîtes de bacon. 24. Non, tu vas Et donnez-moi, on est tombé dessus et on a fait moitié direct. Et il est encore bon ? Quand est-ce que t'en refais ? Pourquoi ? À ton avis, je remets, tu vois. Ouais, c'est ça. Hé, hey, je t'ai sauvé de ce claqueur la semaine dernière. Je vais dire, j'aurais dû te laisser crever. Ah, c'est bon ! T'en plaît si t'arrêtes d'en mettre ça sur ton pied. J'espère que c'est aussi bon que tu dis. C'est du bacon, bien sûr que c'est bon. Thank you.